Bonjour VOD, on va sûrement commencer la première arène. Oh là là, alors position. Je vous montre. Oh là là, regardez-moi, c'est beau gosse. Ouais, c'est assez naturel, hein. Bonjour. J'ai choisi le bon moment pour venir à Sémaro, la fête de l'olive bat son plein. Olive. D'ailleurs, l'examen de l'arène fait partie intégrante de la fête. Bah super, allez, on y va, hein. Comme ça, ce sera fait. Après... D'accord, vu que j'ai pas mis mes meilleurs... Enfin, j'ai mis les meilleurs Pokémon que j'avais, enfin, sauf à Pyrène, mais... Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Ah. Oh non, il y a l'autre. Oh, mais c'est l'absent. Si t'es A, ça veut dire qu'une seule chose. T'as décidé de faire la chasse aux bases d'arène et de mesurer à la ligue, n'est-ce pas? Non. Attends, tu vas pas me faire croire que t'es venu ici par hasard. Pour affronter les champions à la Champion d'une arène, tu dois d'abord réussir un examen. Les examens sont différents pour chaque arène. Pour savoir en quoi ça consiste, demande à la réception. Et tiens, je te donne ça. Pense à moi quand tu soigneras ton Pokémon avec. Merci. Je suis tellement contente que tu aies choisi de viser le grand maître. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Bon, je te laisse. Bye bye. Ciao. Bonnet de Locke, s'il te flingue. Aïe, merde. Ah, je savais. Il m'a coûté toute ma thune, mais ça vaut le coup. Bienvenue à l'arène de Sémaro. Bien, si cela ne nous dérange pas, je vais tout d'abord vous inscrire. Donc, c'est ça. J'ai bien été. Vous devez d'abord réussir l'examen d'arène avant de pouvoir affronter la championne Hera. Et dans notre arène, l'épreuve consiste à participer au roule-olive. Waouh! Voyez-vous, notre ville est réputée pour sa production d'olives de qualité. Cela fait plusieurs générations que nous organisons la fête de l'olive. Fin de nous attirer de bonnes récoltes. Olive. Pardon. Pour réussir l'examen, vous devez pousser un ballon en forme d'olive jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, donc un truc qui n'a rien à voir en fait. Si vous y parvenez, cela sera de bon augure pour les récoltes de l'année prochaine, bien sûr. Le personnel sur place se fera un plaisir de vous fournir des explications plus détaillées. La place Roule-Olive se situe au nord de la ville. Je l'ajoute sur la carte. Bonne roulade. Mais quel rapport avec les combats Pokémon, bordel? Tu fais rouler des olives? J'en foutrais, moi. Foutrais de l'olive, t'en faire une olive. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Ah, j'ai cliqué sur Y. Non, la roule-olive, c'est au-dessus. Ah oui. Bah, c'est dans la ville, de toute façon, la ville n'est pas très très grande, donc bon. Oh, ils sont rigolos. Je crois que le mec, il va nous donner quelque chose. Je sais pas, je parle aux gens pour voir. Bon, en fait, je m'en vais. Il y a des ascenseurs. L'ascenseur. Ah, tu crois qu'il faut monter l'ascenseur? Je pense qu'on peut pas pour le moment. Non. Bon, ok, on va aller au... Allez, on se tire. Je me tire. C'est lent. Les chargements. C'est bizarre qu'ils aient choisi une boussole, je trouve, comme logo de chargement. T'sais, d'habitude, c'est un petit Pokémon, un petit truc, un petit Moti Smart. Là, je sais même plus. Ah, c'est beau, le bâtiment en face. Oui, hein, tout à fait. J'étais en train de me dire, j'aime beaucoup. Ça ferait un beau bâtiment dans Pokémon... Dans Planète Zoo. J'allais dire dans Pokémon Zoo. Oui, mais je veux voir la vue d'en haut. Ah, c'est quoi ces affaires? Ah non, c'est des papillons. C'est des papillons, mais laggy. Ah, mais ce sera peut-être ici. Enfin, en tout cas, il y a une petite place pour combattre. C'est où, là? Ah, ouais. Ah ouais, t'as raison, ça va être là. Peut-être qu'il faut parler à tous les gars. Je sais pas, Non, mais de toute façon, ils ont dit que c'était au-dessus de la ville. Voilà, quoi. Très belle voix. Ah non, moi, j'aime pas. Hein. Je la trouve trop grave. Je peux la faire plus aiguë, je peux parler comme ça, plus aiguë et tout. Tu peux parler comme ça? Ouais, non, mais naturellement, non. Bah, c'est bien, c'est vachement mieux d'avoir une voix un peu grave. Eh, c'est un panier à l'envers? Qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi que tu parles? Bah, y a un panier à l'envers. Là. Ou un chapeau. Une grande bassine de côté. C'est un panier rugby. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les barrières, c'est des toiles d'araignée. C'est ça, faut pousser l'olive. Mon dieu, Mounir ton zinc, comment t'as fait pour passer? J'ai sauté. Ouais. A tout de suite, je vais marquer. Boum 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 boum. Le bruit, et en plus, la physique du truc. Et si je fais ça? Ouais. Attends, c'est du Rocket League olive là.
Merde, ça a pas marché. C'est du Rocket Olive. Rocket Live. Ah, elle est là. Tu lui parles là? Doing, doing. Je sais pas, je trouve pas de PNJ. Attends, on va chercher un PNJ. Hein. Ah, si, là. Youhou. Le Roule Live. Si vous souhaitez participer au Roule Live, c'est ici que ça se passe. Une épreuve physique où il faut pousser un ballon géant en ressemblant à une olive. Si vous arrivez à guider le ballon jusqu'au panier à l'arrivée, tout en franchissant les obstacles sur votre route, vous réussirez l'examen. Voilà, vous savez tout. Alors, vous êtes prête? Bah non! Non, j'ai mis oui parce que sinon, elle va me dire... elle va me dire revenez quand vous serez prête, là. Pour le coup, ça va être chiant. Oh putain, Alex. Tu me tues. Non, reste en vie. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, ça nous soutient gratuitement. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, faut pousser, faut pousser. Ah oui, elle a dit à pied. Du coup, attends, je vais essayer quand même essayer de tricher. Attendez, je mets mon full en screen, comme ça vous pouvez voir Lox en même temps. Attendez. Ah, c'est bon, j'ai pris mon mode T-Smart, enfin mon truc. Tu triches alors là, non ? Ouais, je triche à marre. Moi, j'aime bien tricher, c'est mieux. C'est plus facile que de pas tricher. Hop là! Voilà, rien à battre de tes... Rien à battre! Dame qui était... Ah, je fais n'importe quoi! Vite que moi. Merde! Oh ouais! Mais faut faire quoi là? Bah en fait, je pense que je dois le mettre dans le panier, donc je le mets dans le panier moi. Mais le mec, du coup, il est là pour contrer ou comment ça se passe? Bah si t'es à pied, t'es obligé de passer par lui, mais... Vu qu'on n'est pas idiote, bah. On fait pas à pied. Attends, mon truc! Mais c'est quoi cette physique de ballon de baudruche de mes. De mes entrailles là? Arrête! Ouais! Ouais! Je l'ai eu avant toi quand même. Ouais, j'avoue, mais c'est parce que j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit AVC, je pense, pendant que je roulais. Ah. Et un petit souci moteur technico-industriel. Oh, Red Bull qui nous fait un super raid. Red Bull ? Merci. Ouais, Red Bull. Red de couille. Oh, bon sang. John James Preston, comment ça va ? Bonsoir tout le monde. Red de Bull. J'aime beaucoup ce pseudo. C'est quoi ? J'ai une raie tatouée. Et j'aime bien les... Couilles. Grâce à vous, nous aurons une excellente récolte l'année prochaine. Ouais, mais de rien, c'est grâce à l'olive, ça. Les pouvoirs de l'olive. Je sais très bonsoir. Bien les faire. Considérez vos examens de la reine comme réussis. Félicitations, bah, c'était... ouais, c'est intense, hein. On va s'en aller maintenant, parce que c'était pas très Attends. Marrant. Non, donc là, j'ai mis la destination suivante. Nymphe. Ouais, la voix du maître. Nymphe pâtissière. Comment ça va, bonsoir, t'étais sur quoi? Bienvenue à toi aussi, Kandek. Je sais pas comment on prononce la fin du pseudonyme. Oh là là. It's lagging. Oh, mais il y a une piscine! Une piscine? Oh ah, mais attends, il y a une CT derrière là. Ah oui, t'es dans la piscine, oui, effectivement. Je suis encore plus rapide, hein. Alors si tu sais nager, espèce de légendaire un peu nul, pourquoi tu nages jamais quand j'en ai besoin? Ah oui, t'as dit il y a une CT. Ouais, là, maintenant, où il y avait l'ascenseur et tout. Montage ouais, je vais y aller. 90 dans le PC plus démarrage circuit. Ah, GG. Oh. Postons l'heure que ça marche, John James Preston, merci beaucoup. Oh nice. Bah vous pouvez voir son replay. Je vais voir la beauté. Wouah! Donc c'est dans la tour là, c'est ça? Ouais! Attention, j'arrive sur toi! Attention. Fais le temps. Du coup, comment ça se passe là? Ça lag? Non, c'est pas le genre. je peux pas okay. Te laisser dire ça, Dilo. Et elle est où la dame là? Elle est où la madame? Moi je pense qu'il faut parler au gars au centre en disant c'est bon, on a réussi ton olive là? Putain, je suis en train de parler à un piaf là. Allez! Elle parle au moineau. Félicitations, vous avez réussi votre examen. On peut dire que vous vous êtes pas roulé les pouces. Oh,
multi, c'est-à-dire qu'elle se balade avec moi et on peut faire des combats ensemble. En plus, c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est on explore surtout. Vous pouvez désormais affronter notre championne. Ah oui. J'ai intérêt de mettre oui, là. Non. C'est, ouais, c'est sympa. C'est vrai. En fait, le jeu est beaucoup plus joli quand il est sur le petit écran de la Switch. En fait, il est moins moche, surtout. Mais on voit absolument pas les Pokémon. On voit. Ouais, c'est ça le problème. Déjà, en grand écran, franchement, des fois, c'est chaud. Alors, en petit, c'est que j'ai pas encore testé. Je pense qu'on doit vraiment pas voir grand-chose. Oh là là, les chargements, ils lag. Comment tu peux faire laguer un chargement? C'est un gif. Oui, je suis triste. Je trouve ça dommage que ça lag. Nintendo et jeux multi en ligne. Non, mais c'est pas le problème qu'ils sont en ligne, les soucis. C'est dû au jeu tout court. Et à son moteur. Mange à ta faim, surtout mon petit Prisminon d'amour. Attends, j'ai rien dit. Tiens, tiens, mais quelle délicieuse à l'allure ravissante nous avons là. Merci beaucoup d'avoir participé au Hololive, ta technique était impeccable. Mais c'est vrai, j'oubliais de me présenter. Mais c'est totalement une pâtissière, ça se voit. Je suis Hera, la chef pâtissière de l'établissement Pâtisse en Boule. Couille. Oh là là, excuse-moi, c'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie, là. Non, pas vraiment. Mais... Je suis désolée, je patouche un peu dans le caramel. Laisse-moi recommencer. Je suis Hera, la championne de cette arène. C'est que je passe davantage de temps à faire des gâteaux à la pâtisserie qu'à me battre ici. Mais pourquoi, du coup, Pokémon insecte si tu es une pâtissière? Je comprends pas. Pour moi, les gâteaux sont comme les Pokémon insectes qui se cachent parmi les plantes. Aucun rapport. Aucun rapport. Vraiment zéro, zéro lien. Ils sont petits, mais renferment un grand pouvoir. Les gâteaux, comme du coup... des fèves, non? Ouais. Enfin bon, en l'occurrence, c'est différent. Fèves, mais du coup, oui. Avec son truc, j'ai imaginé complètement ça, ouais. Oh, en l'occurrence, ça a aidé à nous rendre heureux. Alors, j'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur des piqûres d'insectes. Encore une fois, aucun rapport. Hein. Moi, c'est les larmes de sel que je vais te faire pleurer. Parce qu'ici, tu vas avoir droit aux deux à la fois. Bonsoir. Spécialiste dans les boules et les miches, tout à fait. Tu donnes notre cafard classique. Un champion de boulangère. Zerata ? Pourquoi Zerata ? Parce que, oui, elle me dit je suis... Enfin, j'ai fait la liaison. Elle s'appelle Hera et je lui ai dit je suis Hera. Donc voilà, j'y ai pensé aussi. Du coup, on est sur le toit du... Oh, elle est trop rigolo, la petite sauterelle en forme de... Enfin, c'est plutôt une sorte de... d'agrafeuse en forme de sauterelle. Agrafeuse, très bien. Sous-estime pas mes Pokémon insectes. Eh, j'ai un piaf en guise de Pokémon. Du tout clou tout. Mon miaou, il va voler dans les airs. Schlack ! Quasi one-shot, et toi ? One-shot. Mais j'ai pris un Pokémon. Bah ouais, mais j'ai pris un Pokémon vol et c'est bien les Pokémon vol contre les des insectes. Miaou, il a volé, hein. Il a volé. Oui, alors. C'est vrai, hein, il a fait aéro, je sais pas quoi, et il a volé. Bah oui, parce que c'est un truc du raid. Enfin, du raid. Salut Alexis. Je vais faire tranchère encore. Tisse en boule. Je m'amuse bien. Tu vas te faire. Je m'amuse bien parce que. Franchement, ouais. C'est vrai qu'à deux, c'est quand même très sympa. Je dois l'admettre que s'il n'y avait pas tous ces soucis techniques sur le jeu, ce serait vraiment un très bon jeu rien que pour ça, quoi. Malheureusement, il est juste bien à cause de tous ces soucis techniques. Teddy Ursa, c'est fait, je crois. Peut-être changer de Pokémon. Ah, mon Meowth, putain! Ah non, ils ont tué mon Meowth! Espèce d'enfoiré! Non, il est pas mort. Je suis fourmagé, c'est pour ça que je suis son champion de Pokémon Ténèbres, ouais, c'est ça. De quoi? Non. C'est que je t'ai imaginé à... Mince! Je vais pas. Tu te débrouilles plutôt bien, j'ai pas le temps de lire. Ah merde, j'aurais dû le changer pour qu'il puisse level up. Hein. Teddy Ursa! Morsure, ça marche contre Teddy Ursa ou pas? Je sais plus. Ténèbres contre fées? Sors de ta cristalline et évolue! Et dévoile toute ta splendeur, petit Teddy Ursa! Vas-y, je vais mettre le sol que je puisse encore contrôler aussi. C'est chaud. Ah mais Miaou, si je le tue, il aura pas d'XP.
Ah, il est en... Il est en terra. Ouais, en terra cristallisée, ouais. Il est mignon, ça va. Ah ouais, je pense qu'il est pas mal. Ah ouais, bah du coup, il va être dur. Il va me combo griffer, je suis combo dead. Anti-aliasing. Mon petit gribou règne. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'anti-aliasing qui est vraiment... Mais tu l'as pas sur le petit écran, ouais. Qui est, ouais, c'est ça. En plein écran, mais malheureusement, bon, c'est une Switch, hein, c'est fait pour les deux, normalement. Je vais tenter Crochet Vening. Attends, et moi aussi, je peux tétra cristallise. Oui. Et voici la belle cerise sur le gâteau. Goûte à la spécialité de mes Pokémon insectes. Taillade. Si oh, il me est-ce taillade, ce bâtard. Je sais pas si je lui fais un vol ou un bolélec. À qui? À lui. Oh, c'est dur, ça. Bah vol, je sais pas si ça lui fera grand chose. Bolélec, ça peut peut-être le paralyser. Allez, let's go. Mais je sais plus, hein, vol, si ça lui fait quelque chose à son type. À son type. Ouais, la musique, effectivement, elle acclame un petit peu. Ah, je l'ai baissé. C'est dur, c'est mettre. Oh non, mais mon gribou règne, du coup, il... Mince. Ok. Des bisous Grizzlyon. Bonne nuit Grizzlyon. À plus tard. Il est en train d'endommager mon Pikachu là. Pikachu. Pika. Et si je mettais mon petit Doggo? Ouais non. Je vais terracristalliser mon canard Bello. Par contre, c'est chiant. Ah, mais je peux pas. Ah, si, je peux. Tac. Et du coup, petit. T'as quoi, Jet hein? Non, bah malheureusement, il m'a tué mon petit gribouille. Je voulais pas, mais tant pis. Merde. Je clique pas sur suivant. J'attends que. Qu'on ait la doublure officielle du jeu. Vous voulez que je double tous les dialogues? Pour ça qu'elle veut que je joue comme ça, je lis tout à sa place. Tellement simple. Bah ouais, et encore là, j'ai pris les deux Pokémon que j'ai plus bas parce qu'en fait, mes Pokémon, les autres, ils sont plus haut level que, oui. que je puisse utiliser. C'est-à-dire que normalement, je peux utiliser jusqu'au 20 max et les autres, ils sont au-delà de 20. Donc ça m'arrangeait pas. Il est joli quand même. GG. Ah. Oh non, tous mes Pokémon sont au bout du rouleau à pâtisserie. Oh my god. 1700 max. Mmh la thune. Merci. J'ai mis n'importe où mon truc. Mes alertes elles sont au bord de l'écran. Merde. Attendez, faut que je règle ça. J'ai fait aucun effort là. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté là. Voilà, c'est bien. Allez, c'est incroyable. Ta force n'a cessé de gonfler comme un bon soufflé au feu. Toi qui gonfle. Je crois que moi aussi j'aurais bien besoin de développer mes techniques de combat. Bah oui, peut-être parce que faire la cuisine ça a juste encore une fois aucun putain de rapport. En tout cas, c'est encore un succès pour toi. Bien joué. Ça encore. Voici le badge de la reine qui te permettra de prouver que tu m'as vaincu. Ça fait beaucoup de cul. Et tu sais ce qui rendrait cette victoire encore plus délicieuse? La savourer. Avec une de mes spécialités pâtissières. Oh. Bon, j'avoue, ces petits muffins, je les veux bien. Le badge chou à la crème. Le live YOLO, y a rien qui va. Comment ça, YOLO? Je suis pas plus que pire que d'habitude, je trouve. Jusqu'au niveau 25. Allez. Ah, tu peux toujours pas contrôler ton appareil. T'as sauté un peu des étapes trop vite. Tu as donc un badge d'arène. Désormais, tu pourras attraper des Pokémon jusqu'au level 25. Le lanceur attaque. Sans que tu aies la petite vorace Valen, c'était pour toi. C'était Bond. James Bond. Non, c'était Bond. Bond. Le lanceur attaque en bondissant sur la cible, ce qui baisse la vitesse de celle-ci. Ok. Ça doit être une attaque prioritaire. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais grâce à la machine CT, tu peux recréer les CT que tu as obtenus durant tes aventures. Ah! J'espère qu'avec ça, le chemin qu'il te reste à parcourir sera un peu plus doux et savoureux. Comme une bonne grosse miche. Il doit y avoir un bel insecte dans le muffin, ouais. J'avoue, elle mélange tout, elle.
Elle est illogique, cette madame. Le problème, Gogeta, c'est que si je vais à la deuxième arène, Locke, ça leur a peut-être pas le niveau. Oh ! Elle dit que je suis trop faible. Ah non, mais... Mais surtout que bon, j'ai pas envie d'enchaîner tout de suite, on va explorer un petit peu quand même. Oh, c'est Mandy encore. Vas-y, Mandy, dégage. Allô, Lex ? Ah, voilà. Je vais te dire que mon Pokémon a appris une capacité super sympa. Ah, au fait, ça s'est passé comment, la reine ? C'était difficile. Je fais que mentir. Tu me fais marcher, hein ? Tu dis ça parce que je suis sûre que t'as reçu un badge. Décidément, j'ai vraiment eu raison de te proposer de faire un tour des arènes, hein. Moi aussi, je m'entraîne dur, tous les jours, partout, même la nuit. Paldea, c'est une région immense, alors je te conseille d'utiliser ta carte pour choisir où aller. C'est un petit tips. La carte, ça permet de savoir où aller. Et si tu veux devenir plus forte, tu peux faire quelques détours. C'est même conseillé. En fait, ta vie, Paper, je me demande ce qu'il devient. Bref, à la prochaine fois. Attends, la prochaine fois, on se verra, on combattra, promis. Allez, bizarre, petit. Oui. Qu'elle arrête de me harceler. Je pense que je vais demander une ordonnance d'éloignement. Je me sens oppressée avec cette Mandy. Je me sens pas bien. Tout en à la PL. Ah, on est l'une dans l'autre. Ouh. Ouh, on n'a jamais été aussi proches. Bon. Ok. Soigné ? Oui, je pense qu'on a été soigné, mais dans le doute, on va y aller. Bah attends, on va sur X. Ah bah, let's go. Il y a des boutiques, je vais aller voir. Ça, arrête. Tu as réussi la reine Olive insecte pâtissière, mais tu seras... seras-tu suffisamment forte pour la reine Boulgour terre comptable? C'est à peu près ça. Merci, c'est complètement ça. Ah, elle a fait quoi, une orbe ou quoi? Oui, l'orbe de Tetra truc, ouais. L'orbe de Tetra truc. Du coup, pourquoi mon Miaouss, il a une vieille... Ah, je crois qu'il a ramassé un objet, non? Ah, je sais pas, peut-être. Il a trouvé... Ah, il a un objet dans la main. Il a une potion dans la main. Peut-être que tu l'as attrapé avec une potion dans la main. Non. Il l'a chopé pendant un combat, là. Il l'a volé. Il est parti dans les backstage là. Bah oui, parce qu'en fait il se battait, puis à un moment on l'a remis dans le sac et hop, il a été backstage comme tu dis, il a été chouré le truc. Il doit avoir un talent de ramassage, ouais c'est ça. Je me disais pourquoi j'ai vu Gilo avec un bonnet. Bah non, c'était Lox, ouais. Et ouais. Que direz-vous de quelques ingrédients pour confectionner vos sandwichs? Oui, c'est... important, hein, les sandwichs. Apparemment, vous avez une obsession des sandwichs. Tu l'avais ou pas? Ouais, je l'ai eu. Ok. Bon, je verrai les sandwichs. J'ai un peu la flemme de m'y atteler. Putain, chat de merde là. Oh, ah, choqué. Désolé, il veut pas aller attraper le rond doudou. Non. 100% Mandy, à de toi. Je suis d'accord, elle veut mon boule. Eh, mais je rêve ou t'es en train d'acheter un truc là? Non, pas encore. Je décide. Je regarde, je fais mes petites courses, on peut acheter du bacon, du concombre, voilà, ingrédients. Comment une poucave. Non, mais il y a des trucs pour, voilà, il y a des combinaisons de saveurs qui sont frais et variés. Pas moi, c'est le jeu qui le dit. Non, mais c'est pas des cosmétiques. Oh, vous avez vu là-haut? Ah non, je croyais que c'était les petits perroquets, mais non, c'est juste les petites boules vertes là. Bonne nuit, Phoenix. Merci. Ah, oh, c'est très gentil. C'est très gentil. Merci. Bonne nuit, Phoenix. Bonne nuit. Je vais chercher des sandwichs. C'est important, apparemment. Arrête, ça me donne faim. Moi, ça va. Ma raclette, ma... Bien compris. Là, ça va. Sandwich tropical. Ah, il y a des bonus à chaque fois. Pour le moment, j'en ai besoin d'aucun, alors je vais pas prendre. En plus, c'est des sandwichs à 1000 balles. Quoi? Ah, ils sont... balles. Je te le promets. 1000 balles. Oh, bon, enfin...
Pokémon Scarlet Violet pour sponsoriser par Subway. Mais tu m'étonnes. Ils ont une obsession du sandwich. Il y a même un gars, il veut tout, tout. Sa vie, en fait, c'est d'avoir des épices pour faire des sandwichs. Ah ouais, bah c'est celui de Fashion Victim. Ouais, celui qui a la mèche rabat. Ouais, 1000 balles, tu peux t'acheter 5 Pokéballs, je crois. Pas certain, il me semble. Faut que j'en rachète. Mais j'ai plus de sous. Ah si, j'en ai un peu maintenant. Acheter. Oh ouais, Super Bowl. On peut acheter Super Bowl, j'en achète. Il est déjà niveau 19, mon Meowth, là. Mais non. Il a level up de fou. Mais c'est clair. Même Pikachu, il est le même niveau que lui. Sérieux? Mais comment ça se fait? Tu l'as combattu, tu l'as fait combattre des très gros Pokémon? Bah, pendant que je t'attends, en fait, moi, je l'envoie en combat automatique. Et il ramasse des... Ah ouais, des faut que je fasse ça. Je prends pas le réflexe de faire les combats auto. Comment on l'active? La gâchette en haut à droite, le R, la première. J'ai sauvegardé. C'est juste que je te saute, mais un Concorde. Quoi? Ah! De quoi que quoi? Un Concorde. Genre ah, un Concorde, ah oui. Il y a un sandwich qui s'appelle Concorde ou... Non, non, c'est... il parle vraiment du Concorde, ouais. Ah, ok. Ouais, merde la Concorde, je l'achète quand même. Hein. Oh, franchement, oui, hein. Tu peux, hein. Souvent, parce que y en a... 1000 balles à Concorde, franchement, tu peux, hein. Je sais pas si c'est très très légal, par contre. Tu risques d'avoir des petits soucis. Ouais, on fait un petit raid, mais... ça te dit pas? Tiens, on en voit au loin. Alors, t'es où alors là, moi, je suis allée au bout de la ville pour voir s'il y avait d'autres trucs. T'as la piscine. Ouais, il y a deux piscines. Bah attends, en fait, il y a un centre Pokémon de l'autre côté de la ville, à l'autre bout. Mais il y avait aussi des raids au début de la ville. Attends, derrière l'arbre, tu sais, qui est super joli, la maison arbre. Oui, il y a un truc à looter. Ouais. J'y vais. Grosse racine. Oh, t'as vu, on dirait un twerk, on dirait un cul. Attends. Vas-y, va chercher Je vais chercher. Alors, c'était dans le coin, je regarde. Non, derrière. Ouais, là. Ah! Attends, je bouge. Qu'est-ce que c'est triste? On a eu une grosse racine en forme de fion. N'importe. Ouais. Eh, Pokémon, ça va pas, hein. Pokémon, t'es malade, hein. Alors, au moins, ça fait pas auto. T'es parti où, hein? Ah, si, c'est bon. Après, ça dépend si ton truc il... Ah oui, là c'est bon. Ok, si, t'as raison. C'est juste que je l'avais pas lancé sur un Pokémon. Ah merde, non, mais il y a une brioche là sur ma route. Alors, moi je vise pas par contre. Hein. Si tu balances comme ça, mais tu le vises pas. Si tu vises, je crois que ça te entame un combat. Ouais, non, là c'est que j'ai avancé dessus carrément. Hein. Je l'ai piétiné le truc. Hein. Alors, tu vois là, il y a un raid à droite, il y a un raid à gauche. Alors, je te suis... Je vais juste en haut de la colline parce que je me doutais qu'il y avait un loot et un petit truc. Voilà. Enfin, je dis que je te suivais, mais je te vois. Si tu vas me voir, c'est juste la distance d'affichage. Attends, je vais envoyer, tiens. Hop. Mais on l'a, celui-là, ou pas? Attends, mais je l'ai pas, celui-là. Ah, si, le granivole. Ah, le what? Si, on l'a tout à l'heure. À moins que tu l'aies buté, mais je pense que c'est ok. Il est où, le raid? Alors, il y a un raid là-bas, à notre gauche. Il y en a un autre droite, mais un peu loin. Voilà. Vas-y, je te suis. On va à gauche, bah ça marche. Hop là. Mais c'est vrai que les combats auto, moi je les fais pas. Bah je devrais en fait. Oh, c'est un cristal bleu. Non, moi il est jaune. Ah bah ouais. Oh, je sais ce que c'est. C'est les trucs que... Je sais. Partir à plusieurs. C'est un... Ah mais on n'a pas le même Pokémon en fait. Ah merde! Ah attends! Le tien sera peut-être plus. Toi t'as un Krixik et moi j'ai une sorte de crabe avec des points. Attends, mais si c'est un Krixik, j'annule parce que je veux pas cette merde moi. J'en ai déjà un. Est-ce que tu peux rejoindre le. Mais merde, on n'a pas le même! C'est chiant! Attends. Ah ouais, moi je vois, il y a un badge dragon en haut à droite. Vas-y. Là si tu. Je l'ai peut-être pas fait. Vas-y, fais-le maintenant, peut-être que tu pourras me rejoindre. Peut-être, je sais pas. Ah merde, comment on fait? On n'a pas le même, c'est nul! Mais mince, on n'a pas le même. Et si moi je fais B? Attends, vas-y, sinon, attends, quitte... Ouais, je quitte. Je quitte ta partie. Et je reviens. C'est trop bizarre quand même. Alors je sauvegarde, évidemment. Bien sûr. Sauvegarde aussi, au cas où. Oui. Poképortail.
Je vais juste cacher éventuellement le mot de passe si jamais il apparaît. Attends, je te vois toujours moins. Change de Pokémon, tu peux choisir. Oui, mais je veux... Non, mais c'est pas mon Pokémon non. À moi, c'est le Pokémon en face. Oui, voilà. C'est que... bah, c'est vrai que Xyc, bon, c'est peut-être pas le truc qui nous intéresse. On n'a pas le même, en fait. C'est ça qui est bizarre. Moi, je vois un truc bleu. Et Gilo avait un truc orange et elle avait pas le même Pokémon à vaincre. Donc c'est un petit peu dommage. Ah, le club a été dit. Ok, donc là, j'ai quitté. Ça marche. Ah, attends, ça me fait un petit chargement. Voilà. Ah bah ouais, j'ai bien gardé le truc du cristal. Alors, je vais recréer. Par contre, on va voir le code, là. Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais décaler. Ah non, t'es... ouais. C'était à peu près là. On aperçoit, mais on voit pas vraiment. Club Union. Ah mais attends, je teste un truc. Il y a Red Terra Crystal. Est-ce que tu pourrais pas... Est-ce que via ça, en fait, on peut pas... Non, moi, j'aurais pas dû viager un chargement. C'était juste pour tester, mais on verra ça plus tard. Je me demandais si via le truc Red Terra Crystal... Ah ouais! Oh là, on peut choisir, on en a plein en cours. D'accord. Bon, on verra ça. C'est trop bien. Ouais, ça veut dire que... Ceux des autres. Mais oui, on devrait peut-être faire ça. Mais on pourra peut-être le faire quand on sera ensemble en... Mais du coup, on pourra avoir des Pokémon beaucoup plus intéressants, quoi. Rejoindre un club qui est un club. Je pourrais encore pas utiliser. Ah oui, j'avoue, ce sera à chaque fois. Oui, c'est des chances. Ouais. Ok. Alors, rejoindre. Je t'envoie ça. Mega Drive, merci. Bonjour Mega Drive, Didier. Alors, bah tu vois, de toute façon, en vrai, mais bon. Oh. Voilà, dans le doute. Ah, t'as pas besoin de. Et j'ai fait un petit somme impromptu. Eh ben, c'est bien ça, Mogumin Dark. Repose-toi, tu as raison. Okay. C'est bon. Ah mince, ça va peut-être nous faire respawn quelque part. Je sens bien comme ça. C'est une enceinte, Asmo. Je l'ai j'ai changé. Parce que avant, j'entendais pas. Et maintenant, j'entends beaucoup mieux. Le son était dégueulasse avant, c'était une enceinte très très vieille. Et maintenant là c'est beaucoup plus cristallisé comme son et je comprends. Bon, je sais pas si on aura le même raid. On va aller voir. Ouais, on a moto. Alors attends, je pense qu'on peut aller directement comme ça. Oh mais il y a un truc ici que j'avais même pas loot. Tu peux looter à travers le mur, t'es pas obligé de spawn. Oh, merde, ah oui. Oh bah il a despawn. C'est une enceinte. À moi là, oh! Les trucs changent de couleur, mais what the fuck, je comprends pas tout. Bah, du coup, le raid il a peut-être disparu. Ou en tout cas, ouais. Merde. Je le vois plus de loin. J'en vois. Ah non, si, je le vois. Tu le vois toi aussi? Mais moi il est. Il est toutes les couleurs toi, non? Ouais. Oh, bizarrement, il est bleu. Oh, le tien il a l'air plus stylé, vas-y, regarde lequel c'est. Peut-être que je pourrais te le rejoindre. Aucune idée de ce que c'est. Partir à plusieurs. Oh, c'est chiant. T'as encore ton truc. Attends, je vais voir si je vais dans... Ok, portail. Ah voilà. Je peux pas te sélectionner, non. Bon, Red Terra Crystal, si je fais ça, est-ce que je vois le tien peut-être? C'est ombre. Ah c'est bon, ombre. Je te vois. Ah, quand je suis nice allée, voilà, quand on est dans le même, truc, ouais, ça montre. Bah, ok. On fera ça, nickel. Faire ça. Aucune idée de ce que c'est peut-être un ténèbre. Vu le, tu sais, le symbole en haut, ouais, à droite, je me demande si c'est pas un ténèbre. Et vu que la pierre était noire. Ah, mais alors du coup, ça va pas m'aider un miaus. Bah ça peut-être va pas. À travers les griffes. T'as que ça? Non, j'ai un. Bah après c'est spectre où ça passe à travers. Si c'est... Mais c'est vrai que ça peut être spectre, je sais plus. Je vais garder mon piaf, moi, je pense. Ouais, on va rejouer. On va voir. Travail terminé. Yes. Bonne rêve. Travail terminé. Allez, let's go. 500 pièces. Encore du travail. Écran blanc, hein. C'est très très long. C'est très long. Dans ces cas-là, c'est très très long. Oh ah ouais. Comment rentre un petit orc? Oh, on a... Il y a des gens qui ont la classe. Ah, ils ont des casques et tout.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais, d'accord. On l'a ou pas, ce truc oui, on l'a, le oui, truc. Par contre, j'adore le truc qu'il a au-dessus de la tronche, là. C'est très rigolo. Bon. Je pense que je vais faire tranchère et on verra. En fait, non, c'est un plante, mais alors... Ah oui, ça veut peut-être dire que son type de terra cristallisation, c'est un truc ténèbre, genre. Peut-être. Monseigneur. Oui, messire, encore du travail. C'est moi qui ai pris. Hein. Ah bah oui, Vine, c'est bon. On va pouvoir capturer. Non. Je garde mes Super Bowl. Oui, Onivini. Bon, en vrai, quoi qu'il en peut-être que oui, complètement. Mais après, peut-être qu'il va évoluer dans un truc un peu stylé. Peut-être pas, genre en huile d'olive, tu vois. Du coup, il est level quoi là? 12. Ah non, je veux pas l'inclure dans l'équipe, je déconne. C'est une blague honnête. Attends, du coup, tu peux peut-être faire mon raid à moi, qui est un autre. Ah ouais, ça y est, j'ai le bleu qui est apparu là. Ah nice, let's go. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est... je l'avais déjà ou pas, le truc, là? Oui, oui, Olivini, oui. Ah ouais. Niveau 7, bah je vais le relâcher dans la nature, le niveau 7. Bah alors, peut-être qu'il a des meilleurs stats, ceux qui viennent des raids aussi. Hein. Donc même s'il est niveau bas, imaginons, c'est un Pokémon intéressant, bah peut-être qu'il sera plus intéressant. C'est pas le même. Celui qu'on vient de looter, plante normale ténèbre, et celui que j'avais avant, c'est un plante normale plante. Oui, parce que en fait, le troisième type correspond au type de terra cristallisation, et du coup, ça dépend, c'est un peu aléatoire. Je le relâche dans la nature. Comment on fait? Clic. Si tu peux le garder, hein. Non. Prendre de la place pour rien. C'est quoi En puget, exactement. Une bouteille d'olive, putain. Bah, c'est ce que dit Infernalou en puget, en bouteille de puget, en huile puget. Tu m'as invité ou pas là? Pourquoi je peux pas? Attends. Bon bah je vais faire comme toi. Hein. Ah tu peux pas? Bah non, je peux même passer à travers. What the fuck? Bah oui, fais comme moi alors, tu vas dans portail et mais tu fais... Ah ouais, portail. Ouais. Pourtant j'ai bien fait partir à plusieurs, du coup ils devraient te le proposer, c'est complètement con. Et tu vas dans, voilà, Red Terra Crystal. Je sais pas, Apitrini, c'est lequel? C'est le petit ou le grand? C'est le petit, mais on s'en fout, en fait, puisque t'as déjà une Apirène. Ouais. C'est ça qu'il voulait savoir, en fait. J'ai si une Apirène aussi, Griffus Tigron, niveau 27. Let's go! Ah mince, j'ai pris un Pokémon qui est peut-être pas dingue, on verra. Il aura un type dragon comme troisième type, celui-là. Abrolivia, il s'appelle l'évolution. Abrolivia. Écran blanc. C'est très long. Même notre personnage, il ouvre les yeux en mode ça y est, c'est fini. Oh, trop, il a l'air trop stylé par contre. Oh mais il est trop classe avec son dragon sur la tête. Ah mais c'est ça, ça dépend du... Ok d'accord, je viens juste de comprendre. Le motif de cristal que le Pokémon aura sur sa tête dépend du troisième type. Dépend du type de Terra Cristal. Lui c'est dragon, du coup il a un dragon sur la tronche. Et il est stylé. On fait quoi au... Faut le taper. Ah mais je cherchais quel combat, quelle attaque. Je fais vol avec mon chat. Oh non, il m'éclate rock. Non, ça va, ça fait R. C'est Crabagar. Putain, c'est sur moi qui vient de me faire là. Il prend trop chieur.
Mais non, mais laissez mon chat tranquille. Laissez mon chat tranquille. Ce serait fort cordial. Sans le truc sur la tête, il ressemble plus à rien. Oui, hein. Mais je crois qu'il évolue. Mais je crois que bon, ça reste un crabe, quoi. Moi, je l'aime bien, je le trouve bizarre. Trop facile les raids de ce jeu. Bah, c'est des raids bas level après, hein. Je pense que pour certains Pokémon, notamment pour le moment où on doit les attraper, quand on est dans des raids plus haut niveau, je pense que ça peut être plus dur. Mais là, on est dans une zone à bas niveau, donc les raids qu'on a, c'est des raids basiques. Des raids basiques, c'est même les premiers, hein, quasiment. J'adore avec sa tronche toute bizarre. Est-ce que mon Meowth aurait volé encore un autre item? Je vais regarder. Ah, mon J, qui vole des items. Non, mais je veux voir, c'est pas sûr. Désolée pour les écrans blancs, c'est chiant. Pokémon enregistré. Au moins, ça nous fait un nouveau Pokémon. Mm-hmm. Et un Pokémon combat, ce qui peut être pratique dans certaines arènes. Et en plus, il a... franchement, en vrai, ça peut ne pas être déconnant comme Pokémon parce que son troisième type, c'est Dragon. Ce qui est un type plutôt pas nul. Attends, là, je vais voir si on peut rejoindre un autre raid. Est-ce que je pourrais le rejoindre avec toi? C'est ça, les questions. Raid... Ah bah attends. Oui, on va voir. Je vais voir avec toi. Mais peut-être que vu qu'on est en squad, eh ben, il va nous proposer que... Ouais, voilà, que les annonces de notre squad, en fait. Je pense. Et si par contre on n'est pas raidiste. Ouais, peut-être. Ouais. Mais un film d'épouvante. Ouais, je pense que par contre, si on n'est pas en team, eh ben, on voit les raids en cours de plein de gens qui sont en train d'attendre d'autres gens pour les aider, quoi. Ah, peut-être, il y a un gars là-bas, là, tout seul. Ouais, et là, il y a une petite baie. Est-ce que j'échange pas un peu des Pokémon? Moi, je veux faire évoluer mon Gribourgne. Je suis sûre qu'il peut être stylé. J'ai de l'espoir. Et je vais lui faire combattre un truc. Bravo, Gribourgne! C'est quoi ton nouveau Pokémon? C'est un crabe qui fait de la boxe. J'ai oublié son nom. Crabox. J'ai oublié à l'instant là. Ce serait temps d'évoluer Meowth. T'imagines? Cette petite panthère là. Crabolos. Crabagar, Lox. Crabagar, merci. Dis Crop Circle. Merci Crop Circle. Crabolos, il évolue en Crabogos. C'est trop bien, c'est trop logique, j'aime trop. Boule acide ou crochet venin? Allez, boule acide dans Cycle. Oh, stylé l'animation du combat. Enfin, de l'attaque. Tu peux sauter même au-dessus de la... Ah oui, la moi je vais y aller. Gonflette. Un petit combo griffe, ça peut peut-être l'achever si j'en fais plus de deux. Bon, d'accord, il évite l'attaque. Super! Il se passe quoi, là? Je suis bloquée. Il y a une anime de la mort, là. Je vous assure, what the fuck? Je suis bloquée. Fais plus dès que t'as l'occasion. Je peux pas. Putain, le jeu il a bugué. Ah ouais, t'enchaînes les animations. Attends, je vais voir si je peux interagir avec toi, on a jamais essayé. Je veux bien te donner de l'argent. Bah merci, donne-moi de l'argent, je t'en prie. Allez, ah. Encore, essaie encore. Oh putain. Attaque. Oh. Je te jure, je peux rien faire. Non, mais c'est incroyable quand même. Tu t'es soft-lock dans rien. Ah non, dans de non, la pelouse. Non, c'est ma manette qui a plus de batterie, je crois. Ah, j'ai eu peur. Parce que là, tu me faisais peur, là. Là, tu me fais peur. J'ai les piles. Non, parce que je pouvais même pas faire le menu la Switch, tu sais.
Ah oui, effectivement. Là, c'est, c'était moins logique. C'était une très grosse touffe d'herbe pour sa défense. Je suis coincée dans une touffe. Regarde ici s'il y a des trucs un petit peu intéressants. Ou s'il n'y en a pas, on va voir. Il y a un petit loot, une petite baie, des petits trucs. Hyper Popo. Oh, c'est bien ça. Ça coûte cher. Ça coûte 1000 balles, je crois, Hyper Popo. 1000 balles! Il évolue en crabe abominable, type combat glace. Et moi, je te laisse découvrir. Ah ouais, merci. Oui, je veux découvrir. Mais surtout que moi, Krabagar, il a un troisième type qui est du dragon. Du coup, bah, je pense que c'est un combo intéressant. Je pense. Pardon? J'ai quitté le logiciel. Pardon? T'as cliqué le logiciel, pourquoi? Mais je sais pas, j'ai mis des piles dans mon truc et ça m'a dit on a quitté le logiciel. Waouh! Ah ouais, le jeu ne tolère aucun arrêt. T'as pas le droit de te poser une seconde. J'ai mis des piles dans ma truc! Ouais, mais t'étais AFK 2 secondes. Compliqué, hein? Merci, Tigre 37 euros! Tu es au courant pour les shiny? Comment tu écris shiny? C'est H-A-Y-2-L-N-I. En fait, ma manette, elle fonctionne plus? On en parle. Oui, je suis au courant. Bon. Ta manette marche plus? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce... Zou? C'est ce qui avait planté alors et pas la manette. Bah non, mais la manette, elle s'allume pas. Ah, ça craint un peu plus, ça. Sauf si ces paires de piles non plus. Dans ces cas-là, on va utiliser les manettes de la Switch. Je vais être heureuse. Ignace, l'étudiant. Qui nous montre sa tignasse d'étudiant. Ignacio. Les Joy-Con, c'est le démon. Bah ouais, mais là, j'ai pas joué. Du coup, utilisez bien pour savoir où aller. Non, mais moi, il faut surtout... Bonsoir, Cartan. Avec toi. Comment vas-tu? Tranquillou, toi. Et je l'ai éclaté, le monsieur, ou pas? Tu as éclaté? Tu éclates des monsieur? Bah bravo. Non, c'est bon. Faut que tu me réinvites dans la team. Oui, je vais te réinviter dans la team. Que des numéros 12 dans ma team. Bienvenue dans ma team. Alors... Putain, on va éclater des moutons là en série. Moi j'éclate des enfants, moi. C'est plus Alors, sympa. Faut pas dire des choses comme ça. C'est pas possible. Ah bah c'est ce qui se passe. Hein. Rends la cible confuse, mais augmente ton attaque spéciale. Non mais aucun intérêt, dégage. Câlinerie. Ah, câlinerie. Lance une attaque cible en lui faisant des câlineries, ce qui peut aussi diminuer l'attaque celle-ci. Hein, je vais peut-être faire ça plutôt. Hey, mais attends, je l'ai pas lui. Reviens. J'ai pas envie de me faire éclater. Mais j'y peux rien. Là, c'est l'enfant qui a cherché. Hein. Tu as le Makuhita? Ah non, Makuhita, c'est bien ça. Je l'avais déjà rencontré, je l'avais tué en one shot. Oui, alors je me demande si c'était pas. Non, je pense que c'était chez un dresseur qu'on l'avait rencontré. Ah bon? Je crois. Hein. Non, mais je crois que je l'avais déjà rencontré. Hein. Moi, je sais que j'ai rencontré chez un dresseur. Mais pas dans la nature. Ouais. Je ne l'ai pas rencontré dans la nature. Alors. Mais t'es où, toi, déjà, au niveau de la map? Pour voir il si je croise. Donner. Le Pokémon qui ah, bah, je l'ai là. Il est là. Makuhita. Je vais te Makuhiter. Il envoie de la vieille dame de l'autre jour. Denise Duval. Ça, c'est pendant le RP, ça. Vous verrez ça demain. Une entité a pris possession de ta manette et joue avec toi. Mais non. Non mais les deux paires de piles n'avaient plus de batterie et le jeu il a bugué en même temps. Je l'ai attrapé? J'ai pas vu. Ah yes. Et concentré toi.
Remarque, je dis ça, mais en fait, je sais pas. Bon, je l'attrape aussi, et puis c'est bon. Yes. Voilà. Oh merde. Je kiffe le jeu de cowboy, il est dispo sur mobile ? Oui, sûr. Sur l'appli mobile Rockstar, ouais. Comme tous les jeux Rockstar d'ailleurs, hein, pas de soucis. Et puis gratuit, évidemment. Je vois un truc qui brille, je le loot évidemment, et puis on fait saut. Ah ouais, merde, t'es où? Non, bah je vais t'inviter. Waouh, ta montagne, elle est très jolie. Ouais, là, je nous mets sur un décor, une texture sublime. Attends, je te cherche. Ah, ça pique les yeux. Bah, c'est normal, je t'ai pas invité. Ah, merde, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'enfer, ces petites manettes-là. Hein. Ouais, j'avoue que c'est un peu chiant. Tu as cette bécane, tu te la pètes. Si j'ai cette bécane, je suis pas sûre de... Non, je suis pas sûre non plus. Hein. Surtout vu la vitesse avec laquelle elle va, j'aurais l'impression d'avoir un vélo, mais avec une seule roue qui fonctionne. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Alors, les mots DPS... Merci, tu l'as ? Je le vois, ouais. Bah, c'est... Poké, portail... Bah non, je suis hors ligne d'abord, il faut se connecter. Ah ouais, peut-être. Peut-être que ça te connaîtra automatiquement. La montagne, elle est shiny. Ah ouais, là, c'est... Ah, ça brille, là. Merci Cortan, merci beaucoup pour le lux, la meilleure, merci beaucoup. Allez là, tout blabla. Ouais, c'est un petit peu long. C'est vrai qu'à chaque fois, enfin à chaque fois que tu dois repasser par ces étapes-là, c'est un peu long quoi. Je vais trop jouer un crocodile. Un chocodile. Oui, oui, bah, tous les starters c'est en bon. Vrai. Hein. Je trouve mignon tous les starters. Let's go. Ah oui, partir à l'aventure. C'est parti. Bonne nuit, Crop Circle, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. On est reparti où là? Très loin, j'ai l'impression. Mais on peut se TP au pire. Ouais, d'accord. Oh oui, ok, attends, ouais, ça quoi nous. Quoi? Qu'est-ce qu'on nous... fout là? On est au spawn quoi. Par contre, en vrai, je crois que je vois des raids au loin. On peut pas prendre la map là et se. Ah, si, on peut se TP. Je me disais, il y a des raids au long, j'irais bien attends, voir ce que ouais, c'est avant. Je te suis. Attends une seconde, j'ai pas la moto. Toi, t'es où? Là-bas? Ok. Oh, j'ai juste commencé un petit peu à avancer pour voir. Pour voir ce que c'est. Non! No. Ah non, j'évite. Ah, mais ils sont loin un peu. Ah non, il y en a un qui est pas trop trop loin. Ah, à gauche. Ah oui. Il est rouge pour moi. Rouge orange. Oh merde, je suis rentrée dans un truc là, non? Oh mais non. Pas grave, pas grave. Faut que je trouve un moyen de monter, moi. Voilà. Et je vais voir en même temps s'il n'y a pas des trucs. Ah, ici il y a une petite pièce. Une pièce du Mordor. Là, t'es d'accord, il y en a un devant toi là. Ouais, ok. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a le même. J'attends les prix. Ah, moi? Mais j'ai même pas encore cliqué dessus. Ok. Ok, ouais, effectivement, bah, c'est pas grave. Hein. Si, il y a. Le jeu que tu joues le plus. Oh non, Minecraft, c'est que depuis 2 semaines. Hein. Comment je fais pour t'inviter là? Comment ça se passe? Eh ben, je vais faire comme t'as fait la dernière fois. Non, c'est chiant. Attends, pourquoi la première fois ça a bien marché? Et là, ça marche plus. Mais si, il y a toujours pluie, soleil, merde. Etc. Raid, voilà. Ok.
Non, je joue à beaucoup de jeux différents. Cortan, j'ai un petit peu mes jours. Et ça dépend des périodes aussi. C'est un peu difficile à dire. Ok, tu prends qui Bon, je vais garder mon machin, là. Je sais pas ce que c'est, pourquoi on verra bien. T'aimais pas, toi, Naxus, quand il y a le vent, le soleil, etc. T'es d'accord, tu prends le... Ah oui, pardon. Ouais. Oui, bah en fait, j'aimais pas non plus parce que ça ralentissait juste ta capture ou au bout d'un moment, t'étais en... tu te faisais chier à changer limite ta date ou à relancer le jeu pour avoir des météos différentes pour essayer de capturer les Pokémon. C'est vrai que c'était un... Ouais, j'étais pas fan. J'étais pas fan non plus. Ouais, j'ai pas fait... Bah, j'ai pas joué au bouclier, donc je sais pas. Mais j'étais pas super fan du épée bouclier, perso. Dans les récents. Ouais, il est rigolo. Oh, le chat. Moi, je veux le chat. Le petit chat. Bah là, y a pas de chat. Si, à part toi. Flex, là, ou je sais pas quoi, à droite. Ah non, mais c'est une moufette. Hein, comme un putois. Mais oui. Bon, bah, je tente ça. On va voir. Oh non! Je suis paralysée. Sérieux, Naxus? Il aurait revendu sa... Bon courage, Cortan, pour le réveil. Son des bisous. À cause de ça. Ah mince, qu'est-ce que je fais, moi? Oui, le jeu, il fait quoi, là? Allez, bah il attend, voilà. Oh oui, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un punching ball? Mais on l'a pas déjà? Non, moi, je l'ai pas, moi. Je l'ai. C'est un punching ball le machin. C'est un poule. C'est un poulain. Beaucoup trop d'animation pour une capture. C'est très long. Ah, en même temps, il y a des diamants partout. C'est vrai que ça brille. Écran blanc. Petite ampoule. Nouveau Pokémon enregistré encore dans l'équipe, non. Pokémon électrique. Alors, je vais regarder. Ah, c'est un tétard électrique, en gros. Ah, peut-être que je l'avais pas. Moi, je sais, je l'avais pas, bon, ça m'a fait une nouvelle entrée. Et non, c'est que je l'avais pas non plus. Très bien. Macbeth, comment ça va? Bonsoir. Ah, t'as pris la CT? Ah bah, je l'avais déjà alors. Ouais, on est d'accord qu'on la croise plein de fois, cette CT. C'est clair. Là, t'es parti. Oui, je regarde un petit peu parce qu'il y a des raids, mais bon. Ah non, mince, le flamant rouge dans ma tronche. Le raid. Ah, c'est celui qui est en bas là-bas. Oui. Non? Ouais. Enfin, je regardais un petit peu ce qu'il y avait, mais. Mais je me suis fait interrompre par un flamant roule. Ouais, mais moi je l'ai pas celui-là, tiens, je vais le choper. Ah, ça y est! Enfin! Non, 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 il l'a buté, putain! Le Plumeline, c'était le seul que j'avais pas! Ah oui, il faut envoyer avec l'autre gâchette pour être. Bah ouais, si tu veux va... que tu le dis, hein, parce que. Bah complètement! Quel naze! Comment c'est. Oh, oh, je suis triste pour. Attends, je vais voir là-bas, il y a des Pokémon un peu là-bas. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Il a quel âge? Mon neveu. Attends, mais tu vas où là? Enfin, je regarde s'il n'y en a pas des Pokémon. Non, mais on en retrouvera un autre, hein, je pense. T'inquiète. Tu vas au raid doré ou au raid rouge? Je sais pas, on vient de faire un quoi, un rouge ou un doré? Un doré, je crois. On va peut-être tenter un rouge pour voir ce que c'est. Ça doit être feu. Enfin, ça doit être un Pokémon avec une terre évolution de feu. Un peu, je saute. Waouh, il est beau. J'ai pris possession. Quoi, le cristal Tadjilo? Mais arrête. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Du coup. Bon, j'essaye même plus. Poképortail.
9-10 ans, ouais, alors ça peut être sympa s'il a d'autres camarades qui possèdent la Switch et le jeu, parce que du coup, ils peuvent jouer ensemble. Ouais. C'est vrai que celui-là met un petit accent sur le multijoueur et c'est plutôt sympa. Oui, 9-10 ans, il va pas chercher à comprendre ces trucs. Et il joue sur la télé ou il joue sur la console? Ouais, vaut mieux qu'il joue sur la console. Ah, mais il va pas aller voir les Pokémon. Mais bah écoute, il faut trouver une alternative. Je vais mettre mon petit flottillon, tiens. Il y a peu de chances qu'il meure. Le petit Mélofé, là, le... Enfin, pas oui, le rondeau, ouais, petit doudou, un truc comme ça, ou ouais. Tout doudou, je crois que c'est ça. Ouais, tout doudou. Nanananananana. Après, faut s'assurer aussi qu'il a pas déjà le jeu. Ouais, c'est clair. Ça va de soi. Ça, c'est con, mais... Si c'est un fan de Pokémon... Oh là, le... Oui, hein. Avec l'œil, ça veut dire que c'est... Si, peut-être. Ou ténèbres. Alors. Waouh! Oh, il y avait un insecte, oui, ça l'a éclaté. Donc c'est un petit. Ouf. Ça a pris cher là. Bah, normalement, si, de base, Macbeth. Mais là, il est influencé par un autre type. Donc... Il y a un troisième type, en fait, avec la terra cristallisation, qui est un type mis en valeur par la terra cristallisation, qui est un truc qui peut être fait qu'en attaque, et qu'une fois par soignage, on va dire. Et du coup, ça fait qu'il y a un peu un troisième type qui peut s'incruster dans... certains Pokémon. Il est resté fait, regarde. Non, il est resté fait. Ah oui, non, mais il reste fait. Non, ah oui. Il a deux types. Ouais, c'est bizarre. C'est-à-dire que c'est fait alors là, il... Non mais non, c'était psy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, alors du coup, je vais relâcher l'autre. Hein. Mais si je te promets, t'as beaucoup de place, hein, t'embête pas. Hein. Il est niveau combien celui-là? 12. Ouais, bah l'autre est niveau 7. Allez hop. À la poubelle. À poubelle. Non mais c'est ça, je comprends. Là, mon tout doudou ancien, il a trois types. Normal, fait, normal. Et celui-ci, il en a deux. Ah non, il est psy, regarde. Si tu vas dans la boîte. Ah, voilà. Oui, parce qu'en fait, il doit te mettre juste les types normaux de base. Allez, relâche celui-là. Il y en a un tout doré ici. On peut peut-être le tenter. Tout doré. Oh, c'est un Pokémon qu'on n'a pas. Enfin, que moi, j'ai pas. Toi, tu l'as peut-être. Je crois que tu l'as, toi. Ah, moi, c'est pas celui-là. Mais de toute façon, on peut pas se rejoindre enfin, autrement que par le truc. C'est bon, ça m'a proposé. Ah! D'accord. Bah, au pire, après, on fera celui qui est en face de toi, comme ça on gagne du temps. Mm-hmm. Par contre, je vais changer de Pokémon. Je faisais pas gaffe, mais je vais pas prendre celui-là. Garde la mia, aussi. Ouais, c'est des raids une étoile, du coup, ils sont très simples. Plumeline, elle en trouve dans la zone numéro 1. Oui, bah ça, elle le sait, puisque c'est là où j'ai trouvé aussi le mien. C'est juste que, bah, je sais pas quand... Je sais pas quand est-ce qu'il pop, en fait. Des bisous, Asmo. Des gros bisous. Bye-bye, Asmo. Bye-bye. Mince, c'est pas le bon truc. Je dois faire de l'écho. Ah, mais je l'ai, bye. Moi je l'ai pas. Mais là. Bah là je vais quand même garder l'autre parce qu'il est beaucoup plus haut level. Hein. Alors, pic tranchère. On va faire tranchère, on va voir.
Ah, trancheur, c'est super efficace. Frotte frimoussant. Voilà. C'est le Caninos, là ? Non. Ah. C'est un des PNJ qui nous a rejoint. Désolée pour les écrans blancs. Ouais, moi j'essaie de retracer. Tu switch, ouais. À chaque fois. Ah, c'est un électrique poison. Oh, intéressant. Oui, mais non, mais c'était déjà le cas par contre de Toxizac. Oui, oui, je sais, mais je l'ai pas moi de base. Je le mettrai pas dans ma team. Pour le moment, on laisse de côté, on verra. Ah si, il y a une... Non, je sais pas. Mais il est où ? Je crois que je l'ai jeté. Bah t'as dit que tu voulais le relâcher de toute façon. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc moi, non, maintenant il est électrique poison insecte, alors que celui que moi j'ai, c'est un électrique poison. D'accord, je comprends. Ce serait bien de le up quand même pour qu'il fasse les trois types. Hein. Mmh, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Qu'est-ce que je fais ? Je le remplace hein. Non, mais... Je vais me reprendre un petit... petit psycho-quack. Là, je vais te faire spawn sur... Ah oui, vas-y. Ah mince, je suis en combat. Après mon combat, il va me le proposer peut-être. Oh, attends, j'attends. Le tien est mieux en élec poison-poison. Il est mieux parce qu'il est plus haut level, mais sauf que c'est plus intéressant d'avoir trois types quand tu vas dans une arène et que tu te retrouves avec un gars qui est faible à l'un des trois types. Enfin, c'est pas mal. Tant pis. Ok. Ok, je lance. Alors, est-ce que ça te le propose ? Bon, appuie sur Y. Yes. Oh mais on l'a pas celui-là, je l'ai pas. Oh il a l'air trop beau. Ouais ouais. Trop bien. Ouais 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 ouais. Électrique du coup, il aura comme second type apparemment. Je vais peut-être changer. Pourquoi pas forcément. S'il a les trois types, si. C'est comme mon Meowth qui a le type vol alors que c'est pas un type vol de base. Ça m'arrange pour certains combats. Mais après, est-ce qu'ils ont aussi les sensibilités de ces types-là ? Il a pas de... S'il a pas l'attaque de ce type, bah c'est à toi de lui apprendre ce... les attaques. Quand tu chopes des CT, tu peux lui en enseigner. Ah merde, désolé, j'avais oublié l'écran. Ah mince, mais j'ai pas de raccourci pour cette scène. Waouh wow. J'aime bien cette babette, moi, je vais le mettre dans ma team. Oh, il est niveau 12. Hein. M'en fous, il est beau. Oh, je vais rien lui faire du tout, moi. Parce que ça a l'air d'être un... C'est niveau 12 ? Attends, non, c'est moi qui suis niveau 20, ok. Ouais, ouais. Ça doit être un Pokémon herbe, oui, c'est ça, c'est un Pokémon plante. Je vais faire cool, elle sera peut-être plus efficace. Cabriolène. C'est une sorte de petit chamois. Ouais, je prends un petit peu parce que c'est mon c'est mon counter en fait. Il est plante et moi je suis haut. Il est plante électrique, je crois, et moi je suis haut. Je suis haut vol, donc voilà. Oh, il est trop mémé. Ouais, mais je vais pas, enfin, je vais pas l'utiliser. Bah oui, toi ton starter il est plante donc t'as aucun intérêt. Mais moi c'est pas le cas, donc je vais peut-être bien le prendre.
J'espère qu'il évolue en un truc classe. Re-écran blanc. Maintenant. Voilà. Pokémon monture. Je crois qu'on peut monter dessus du coup. D'accord. Bah peut-être. J'aimerais trop. Ça expliquerait aussi pourquoi on pourrait atteindre des endroits un petit peu hauts et tout. Si t'as des Pokémon qui escaladent, machin, je sais pas. Inclure dans l'équipe, oui. Je vais l'inclure, je sais pas à la place de qui. Bah peut-être à la place de Granivol, même si je l'aime bien, ou de Patachio. Ou à la place de Granivol. Bon bah cool. Au moins, on améliore. Oh, j'ai un autre aide. Il est rose. Ah ouais. Attends, lance pas encore. Je suis en train de voir okay. Si je peux le demander à l'autre d'être ma monture. Oh, ce sera trop bien. Comment on pourrait faire ça? C'est quoi, changer de mode? Mon écran il devient blanc quand je fais ça. Je comprends pas, c'est où cette histoire de type monture là? Mais de toute façon lui il est trop petit donc même si c'est le cas ce sera rien son évolution genre. Je pense. Ouais. Mais mon Bambi là, lui aussi les petits. Mon Bambino. Bon, allez, okay. Alors attends, je fais une petite attaque. Je vais essayer de revoir un psychoquack vu que je l'ai changé, mon mien. Juste histoire de l'avoir dans mon PC. Voilà. Bah oui, je m'en doute bien. Putain, mais bordel, je vais sauter dans l'eau. Oui, oui, bah c'est que là, en fait, c'est des raids qui nous servent aussi à un petit peu découvrir, quoi. Mais oui, on va avancer. Ah, c'est un rond doudou. Attention, ça va se lancer. Déjà quoi. Oh merde. J'ai spammé A parce que je croyais que t'étais déjà là. Non. Hein, je vais essayer de le trouver, attends. Oh non, 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 mais non, je l'ai commencé. C'est pas grave, je vais voir si je peux le retrouver de mon côté. Si après, c'est qu'un rond doudou, mais fais chier quoi. Oh non, tu quel nul, je sais pas pourquoi. En fait, je regardais ton écran et du coup j'étais là, bah c'est bon elle doit être là et j'ai spammé et j'ai pas fait gaffe, je suis désolée. Non t'inquiète mais je pense que si je le retrouve moi de mon côté c'est bon. Enfin, oui mais je pense qu'on a pas les mêmes. Hein? Bah ouais. Il était où ce rose là? Au pire si tu veux je te le donnerai. Non. C'est un rond doudou Magica Girl. Ah, il m'a endormi. Là moi je vois un doré ici. Pas celui qui était à côté. Celui-là. Ouais, moi j'étais près des ruines, mais je pense que ça t'en aura un différent puisqu'on voit pas les mêmes. Ah, du coup, c'est trop dur parce que je suis solo. Ah, non, si je fais. Non, je vais faire fuite. Ça, j'ai un peu peur. Ah, je peux pas. Parce que je me suis dit, je peux peut-être interrompre le raid et le reprendre et recommencer. Quand tu meurs, tu revis. Oui, je pense, oui, mais. Ah, bah, t'as un rose toi aussi. Oui, je vais aller chercher. Ah! Ah oui, voilà, c'est celui qui est en cours. Chier. Ça... Oh, il me défonce. Mais je pourrais peut-être quitter, hein. Si je peux quitter... Ah, mais t'es pas solo, t'es avec 4 autres, 3 autres personnes. Mais c'est des PNJ, comme d'hab. Du coup, bah, ils sont nuls à chier. Ouais, je peux pas m'en faire. Oh,
En plus, bah, c'est vraiment nul ce que j'ai. Oh, ça m'agace. Je m'en veux. Mais non. Oui, quand tu meurs, tu revis, c'est bien connu. Merci beaucoup Samus Replay pour c'est le raid. De la mini manette. Comment que tu vas? Merci beaucoup. Vachement mal le truc. Déconne. Voilà. Bienvenue à vous. Bon, on est sur du Pokémon, donc ça va être autrement différent de ce que vous faisiez avant. Mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. J'espère que ça va. Et que ton live s'est bien passé. C'est trop long. Hello there. Hey. Chez toi, comment vient un raid? Ça tombe bien parce que je fais un raid Pokémon. Et salut Right Hand. J'ai salut Ryomu. En haut du pylône. Hein. Merci beaucoup. Vous étiez sur quoi? Sur Valheim? Ah, t'as réussi? Comment que tu as fait? T'as sauté juste? Ouais. Le saut maximum, tu le réduis pas. Ok. Là, tu retrouves encore des pièces du Mordor, là. Ouais. Mais le temps, il s'écoule. Là, sur The Witcher 2. The Witcher 2, ah, ok. Oh, tu l'avais déjà fait, en plus. Tu te refais un petit peu la collection des The Witcher? Ah, j'ai pris un Pokémon trop faible. Et il m'éclate. Bon, ça va. On a réussi à sauver le live in extremis. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé donc? Mais il m'agace! Arrête de me taper! Ça y est, on a tué Rondoudou. Bah ça va, il nous divertit bien. Évidemment. C'est devenu Super Mario. C'est Mario ou quoi hein? Et prochainement, la version Next Gen Thor de The Witcher 3. Encore? J'ai l'impression qu'on a... Bon, pas autant que Skyrim, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de versions. T'as dit oui, Lox, à ta copine? Non, mais ça craint. Ça craint de fou, gosh. Il a appelé sa copine comme moi, comme mon pseudo. Un écran blanc, stop! Ça va, oui? Alors, donc là... Non! C'est pas grave, je peux te le donner. Ça me dérange pas. C'est pas grave, allez. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Je suis un peu fatiguée. Mon rondoudou, il est... Ah, quoique, attends. Mais bordel! Laissez-moi monter! Voilà. Allez! Attends, je loue des trucs. Non, mais il y a des pièces partout, oh, il y en a derrière moi. Il saute plus jamais, saute! Ouais, je faisais la mauvaise touche, il y avait peut-être un lien. J'avoue, il y avait un petit lien! Merde! Ah, et puis zut! Bah, c'est ma moto. Ouais, c'est notre moto qui saute. Ouais. Alors, tu kiffes ce Pokémon? Bah, franchement, il a beaucoup de défauts, mais c'est vrai que le multi est assez plaisant. C'est la première fois qu'on peut vraiment parcourir le jeu avec des potes. Quoi? Mais j'ai même pas cliqué dessus! Non mais elle, le jeu, c'est le premier qui le perçoit, qui l'a pas. Oh, c'est un... Comment il s'appelle? C'est les écureuils. Vas-y. C'est vrai? Ouais, bah moi je les veux tous. Attrapez-les tous. Bah on l'a déjà, hein, l'écureuil. Apparemment c'est un légendaire, d'après le chat. Mais non, c'est pas un légendaire. Qu'est-ce qu'il a dit, Tigron?
C'est celui qui possède 260 Pokémon. Alors non, on a déjà eu hein, celui-ci. Hein. C'était pas un légendaire. Hein. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Corpi, qui t'a follow. Merci beaucoup, Corpi. Merci beaucoup. Un rond gourmand, voilà, c'est ça, un rond gourmand. Les ronds gourmands, c'est pas trop, trop légendaire. Du coup, je pense que Griffus se paye un petit peu notre chutron. Oui, comment c'est le raid? Je fais ça tout de suite. C'est bon. Bon, moi, j'ai mis un Pokémon nul screen pour qu'il pexe. Ah oh, oui, putain, c'est vrai. Désolé. J'ai faim. Moi, j'ai soif. Stop, l'écran blanc, mais il est beaucoup trop long. J'en profite pour te follow, c'est gentil. Merci beaucoup, Corpi. Connaisseur ou connaisseuse de Pokémon? Oula, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a des trucs chelous? Des yeux là? Ouais, il y a des yeux qui nous regardent. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'avoue. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Pourquoi on a des yeux partout qui nous regardent de manière exorbitante? Mais ça, c'est un bug, c'est sûr. Hein. On a fait ça dans aucun autre combat? C'est parce que c'est un légendaire. Mais pas du tout, il est pas légendaire, c'est un... Mais c'est qu'un putain d'écureuil, quoi, genre... Oh, il m'a mis un HP. Ce sont les yeux des Pokémon terra cristallisés. Oui, oui, mais on n'a pas ça d'habitude, en fait. C'est notre peut-être notre 8e, 10e raid. Et on n'a jamais vu des yeux comme ça avant, on est d'accord, je suis pas folle. Mmh. Bah, il m'a tué. Moi aussi. Mais au moins, ouais. J'ai paralysé. Oh, bravo, bravo. Et oui, c'est un raid terra cristal, tout à fait. Alors bon, c'est un rond gourmand. Alors ça va pas être... Et moi j'ai un Pokémon assez nul, mais je veux qu'il pexe. Et je crois que ça... Est-ce que ça fait pexe, remarque? Allez, terra cristallisation, pif paf pouf. Mon cabriolet, non. Il est tout mignon. Ah bon, le problème c'est que c'est un cabriolet avec la troisième truc électrique et j'ai aucune attaque électrique, alors c'est con. Ouais, je suis mort. Non, ah non, j'étais dans les airs. J'aurais okay. XP propre, mais tu reçois des bonbons. Merde, il faut que j'arrête alors de faire ça, ça va pas me faire pex. Ouais, on a un rang gourmand légendaire apparemment. Il est légendaire. Bon, ok, l'écran blanc de la mort. Ah ! J'en ai marre ! Ok. Donc, celui-là. Terra Crystal remplace les méga évolutions. Oui, en gros, oui. Franchement, oui, c'est... Donc là, je vais regarder... Moi, je veux faire pex mon petit chamois d'or, là. Allez, mon cabriolet. Au niveau 12. Sinon, on se barre de cette zone, hein. Ah, je sais pas. Allez, attaque, cabriolet. Vas-y, je relâche l'ancien. Ah ouais. Oh, il a pris trop cher. Bah, t'as perdu? Bah alors, t'es un peu nul, cabriolet. Mais il a perdu. Ah, t'es oh, en le bas, loser. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que je vais réussir à aller sur l'île? Yeah, putain. Je pense que t'as pas réussi. Bah non, mais tout à l'heure, j'ai essayé 15 fois, j'y arrivais pas. Non, mais reviens, cabriolet. Cabriolet. Reviens. Il revient pas. Que, c'est bon. La partie la plus petite. Ah là. Bon.
Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Oh, j'ai changé, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est impossible! C'est impossible, de quoi qu'est impossible? D'aller chercher sur l'île. Oui, mais je pense, hein. Je pense que ce sera possible, genre, plus tard. Ah non, mais moi, je le veux maintenant, je veux pas plus tard. Je vais revenir ici plus tard. What the... Really? On va faire voix enjôleuse. Flottillon! Bon, tu vas aller où là du coup? Tu as envoyé un Pokémon plante contre un Volcombat? Combat? Non, j'avais envoyé contre un petit Coquac. C'est pas Volcombat du tout. Là on va où? Tu sais pas, je te suis. Il y a encore des combats raids là-haut. Là. Ouais, il y en a partout. Mais sinon on va dans la zone après l'arène. Genre on ouais, continue à la une visiter. Boulette ici, tu l'as eu? C'est quoi la boulette? Une Pokéball Total Soin. Je pense que je l'ai eu puisque je la vois pas. Par contre là ici un petit baie, ouais, voilà. Alors du coup on fait Y pour la map et on tout va à fait. Se TP. On était vers où? On était... Ah oui, on était complètement de l'autre côté. On était où? C'était quoi le nom de la zone? Non. Non mais la attends, map a l'air grande hein. On peut pas se TP là-bas. Attends. C'était où? C'est la zone sud 2, c'est ça? Ah, Sevaro. Voilà, Sevaro Est. Ah bon? Il n'y a pas de petites ailes. Bah, voler jusqu'à cet endroit. Ah, c'est toi qui peux... Oui, bah, vas-y, tu vas me... Ah, d'accord. Genre, je nous envole. On nous envole. Je nous envole, je nous envole, je nous envole. Là, ça ne m'a pas TP du tout, là. Hein. Mais attends, vas-y, remets ta main. Comment ça se fait? Je jure que non. Alors, tu vois pas Sevaro? Non, c'est pas celle-là. C'est pas sur la bonne zone, en fait. C'est plus haut. Ou à gauche, je sais plus. Ah oui, c'est à gauche. Attends, pardon, je vois avec le décalage. Attends, je regarde sur ton écran. Bon, et tu streams en plus, je suis un peu couillonne. Mais ça me pète les fiestes. Attends. Là, voilà, tu dézooms, tu vas vers la ville. Ouais, plus haut, plus haut. Voilà, cette ville-là. On est parti à gauche de cette ville-là, c'est ça? Ah! Voilà. C'est Varro. J'ai du coup lequel? La droite ou de gauche? Oui, j'ai mis est, je crois. Mais bon, c'est pas très grand, hein. On se retrouvera, non, t'inquiète. À gauche, c'est à ouest. Non, mais il y en a deux. Il y a Sevaro est et Sevaro ouest, mais ouais, c'est dans mais la ville. La tête. Ah oui! Ah, tu vois ma tête? Ah, c'est rigolo. Ouais. Pour une fois, ouais. C'est rigolo, ça! Si tu fous. Ouais, j'ai fait un petit soin moi. Ah mais mon petit chat moideur, il va mourir ici. Ouais, faudra que il pexe avec le multi expert. Méga évolution, méga aveuglement. Oui, c'est vrai que ça dégoûte un peu. Ok, du coup là t'es. Je vais mettre ma pâte à chiottes, tiens. Non, je vais mettre ma plumeline. Ah mais il a de la vie, dis donc hein. Il est bien mon plume, moi j'aime beaucoup. Petit oiseau. Je vais voir où t'es. Tu vois des raids comme moi par là-bas? Oui. Et bah, il y a un dresseur sur le chemin, donc avant on va peut-être lui péter sa chetron. Et toi là, c'est toi et toi là. Limonade. Ah mais il y avait le Pokémon que je cherchais derrière. C'est mon mien. Ah. Je l'ai envoyé, je sais pas pourquoi. Oula. Oula, méga lag. La cuisinière, Apitrini. Apitrini. Apitrini qui va se prendre la trash. Mais c'est pas quoi vrai. Putain. J'en peux plus. Si vous voulez venir voir le jeu qui fonctionne, vous pouvez venir chez moi. Hein. Horrible quoi. Tu as joué trop, ça y est, le jeu il dit stop. Il dit on arrête. Il faut que j'éteigne ma console un peu pour la refresh, non? Peut-être. Ou l'enlever un peu de la base pour qu'elle se rafraîchisse. Mais bon. Bon après il est bientôt 2h, moi je vais pas ultra tarder je pense parce que
Je suis un petit peu fatigué. Bon, on peut stop là. Hein. Mais c'est trop sympa en tout cas de parcourir les terres ensemble. Moi, il faut que j'attrape un peu mon retard vis-à-vis de toi là. Ouais, mais ça va être compliqué parce que là, si je joue hors stream. Mais c'est pas grave, hein. Non, mais c'est pas grave, je vais le faire aussi. Hein. Je joue un petit peu hors stream dans le lit et tout, vu que comme ça, je pourrais découvrir le jeu en un petit peu plus regardable. Ce qui serait peut-être pas plus mal. Oh, ça fait chier par contre, quand même. Jeu qui crache comme ça. Heureusement qu'il y a beaucoup. Je sais pas si t'as activé sauvegarde auto, moi oui. Mais je pense que toi aussi. Enfin, elles sont activées de base en fait. Ça m'a repop sur la map, mais genre même pas 10 secondes avant le truc. Ok, bon, ça va. Parce que c'est vrai que bah, c'est bien au moins, t'as des sauvegardes auto quand même, vraiment très très souvent. Et je pense qu'ils savaient que leur jeu était un petit peu pas ultra stable pour qu'il y en ait aussi souvent. Ok. Et bah écoutez, on va arrêter la VOD ici. Des bisous VOD. Ciao.